Très très intéressant, ma vie, c'est pour la fois de Marc David Ben Ourida. Marc David Ben Ourida, magnifique. Que Dieu l'a fasse, qu'il ait une longue vie, bonne santé. Pour Yonatan Yaakov Ben Lital Chana aussi, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, bonne santé. On va parler ce soir d'un sujet qui est très très riche. Je pense que c'est un sujet intéressant qu'on a abordé il y a deux semaines, par la semaine dernière, il y a deux semaines, mais c'est un sujet qui est pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à manger, comme Romain il sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un cours, il faut manger. Comme ça, au moins, les gens ne parlent pas. C'est une des deux, où les gens y parlent, où les gens y mangent. Et pourquoi pas, c'est magnifique table. Une question qui dérange dans ce qu'on a vu il y a quelques semaines, il y a deux semaines exactement, avec Rivka qui s'est battue, pour celui qui connaît un peu la paracha, sinon on va rentrer dans le sujet, Rivka qui s'est battue pour dire à son fils, j'ai entendu que ton père veut bénir le premier, à la place de bénir le premier qui est Esav, va t'habiller, te déguiser comme Esav, et comme ça tu vas prendre les bénédictions. Tu m'as dit ton prénom c'est comment? Jordan. Jordan. Tu connais un peu la paracha, tu as appris. Enfin, tu la poses la question, n'hésite pas. Hein? Je vous écoute. Non, mais tu peux poser, pourquoi pas. Donc la Bible, l'Ancien Testament, les gens qui ont des autres versions, nous racontent l'histoire comme quoi Rivka, après 20 ans de mariage, qui était stérile, n'avait pas d'enfant, a réussi à finalement tomber enceinte, a eu l'échographie de l'époque, c'était pas qu'on allait chez la gynécologue, c'était qu'elle passait par la maison d'études et tout d'un coup, il y avait un enfant qui tapait dans le ventre. Elle passait par les maisons d'idoles ou les temples et il y avait un autre enfant qui tapait dans le ventre. Et au final, elle est partie voir la yeshiva, la maison d'études de Shem Ever, qui lui ont dit, sache une chose, tu as deux nations dans ton ventre. Tu as deux peuples dans ton ventre. Et en deux mots, c'était les deux grands peuples, les deux grandes nations du monde, Yaakov et Esav. Un enfant qui est attiré par les bonnes choses et un enfant qui est attiré par les mauvaises choses. Je ne vais pas refaire le cours de la semaine dernière. Vous pouvez le revoir sur retora.fr, ainsi que l'application. Qu'est-ce que ça veut dire que dans ton ventre, tu as déjà un mauvais enfant? Comment on peut dire quelqu'un avec quelque chose pareil à une maman que dans ton ventre, tu as déjà un délinquant en clandestin? Ça peut pas être une chose pareille. Mais au final, avançons l'histoire, les enfants grandissent et la Torah nous dit que Yaakov, c'est quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui veut apprendre et quelqu'un qui est intéressé par l'étude, qui va devenir le troisième patriarche, alors qu'ils savent. Ish Tzaïd, quelqu'un qui est un chasseur, quelqu'un qui est mauvais, on va tout de suite voir, quelqu'un qui n'est pas la personne idéale. Et au final, on voit comment à la fin de la paracha, Yitzhak, qui était âgé, qui ne pouvait presque pas plus voir, était aveugle à cause des encens qui étaient faits par les femmes idolâtres de son fils. Ça, c'est un autre sujet. Comment ça se fait qu'il n'a pas jeté de la maison, mais au contraire, malgré qu'il était quelqu'un qui ne faisait pas du tout ce qu'il fallait, il l'a laissé dans la maison, il vivait avec lui. Et à la fin, il dit, mon fils, j'ai envie de te bénir, de te donner des grandes bénédictions. Et Rivka, sa femme, il lui parle que c'est quand même un mariage qui a duré énormément d'années. Pourquoi énormément d'années? Combien, qui sait exactement quel âge elle avait Rivka quand elle s'est mariée? Monsieur le rabbin? Hein? Bravo. Exactement. 3 ans. Et, tiens, tu vois, le truc oui, le chumash, je sais, tu veux me le donner, parce que j'ai jamais fait dessus. C'est pas contre. C'est son mariage à 3 ans. Exactement. Elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans. Le repose-pied, oui. Elle avait 3 ans. Merci. Il y en a qui utilisent ça. Il y en a qui utilisent ça pour un repose-pied. Hein. Merci beaucoup. Exact. Quand Romain, il apprend la Torah tous les jours. Ça, c'est important de... oui, alors, elle avait... C'était plus de 60 ans de mariage. Entre 20 ans dans laquelle elle était stérile. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est de 84 ans exactement, plus ou moins. Et Rivka qui appelle son fils Yaakov le plus jeune en lui disant « Écoute, j'ai entendu que ton père veut bénir le plus grand, qui est un voyou, qui est un mauvais. J'ai pas envie qu'il le bénisse. Va t'habiller avec les habits de Esav, va en cachette, et comme ça, toi, tu vas prendre ses bénédictions. » Et c'est ce qui se passe, Yaakov, il rentre. Et Yitzhak, il ne voit pas parce que, bref, il n'arrivait pas à voir pour les différentes raisons qu'on a vues tout à l'heure. Il bénit Yaakov, et Esav rentre plus tard, et Yitzhak dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je viens de bénir. » Et il a tout de suite compris qu'il s'est fait avoir. Il dit, écoute, je peux pas, et Esav qui pique une crise. Ça, c'est l'histoire en deux mots, pour notre cher Shabbi Jordan. Et à la fin, il dit, écoute, papa, c'était pas une bénédiction prête, tu peux me donner aussi quelque chose pour moi. Et à la fin, il dit, toi aussi, tu seras béni, etc. Mais l'affaire est close, et après, il se jure qu'il va tuer son frère, il va s'en débarrasser. Bref, l'histoire, comment c'était à l'époque. Mais, hein, question, oui, bien sûr. C'est pas le droit d'aînesse qui est en jeu là à ce moment-là, c'est pas il n'était pas censé le bénir pour qu'il soit son héritier principal entre guillemets. Qui? De qui vous parlez? De Yitzhak? Oui, Yitzhak, Yaakov, et en fait finalement là. C'est de quoi? Que puisque Esav il a vendu son droit d'aînesse au début de la paracha, donc pour ça c'est lui qui doit pas être béni.
Alors, non. Je pensais que c'était au moment de la bénédiction. Il voulait le bénir pour valider le fait que c'était. Oui, mais il a vendu son droit d'aînesse au départ. Okay. Donc, faut jouer les jeux, comme on dit. Si au départ, pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse, il ne peut plus revendiquer le fait que maintenant c'est premier-né. J'ai pas entendu, hein? Allez, photographe, j'ai oublié. Ok. Maintenant, la question qui dérange, c'est que. D'abord, qui était ce personnage de Rivka? C'est quelqu'un qui s'appelle Rivka ici? Non, personne. La Torah nous parle de Rivka. Comment s'appelle, madame? Déborah. Déborah, la femme de. Ok, je tutoie ce soir. La Torah, elle te dit que Rivka, c'est quelqu'un, un personnage qui, par définition, quand la Torah nous parle de mariage, et quand la Torah nous parle du premier mariage de la Torah, qui est d'ailleurs un mariage qu'on va tout de suite voir en long et en large, la Torah nous dit quelle est la qualité première d'une femme pour savoir si je me marie avec elle ou pas. Pas seulement la qualité première, la seule qualité que la Torah nous donne. Est-ce que tu connais un peu le Chumash? Je ne connais pas la réponse à cette question. Je ne connais pas la réponse, mais tu as entendu parler du mariage de Yitzhak et Rivka? Ouais. Alors, qui peut me dire? Madame? La gentillesse. La gentillesse, c'est... Si tu veux, mais plus que ça. Générosité, ouais. Générosité, il y a quelque chose d'autre. Arrête, générosité, gentillesse. Israël, pensant qu'il n'y avait pas de juif à l'époque. Non, mais... Avant Israël. L'amour du prochain. Avant Israël, veut dire aimer son frère juif. Qui l'a appris. Oui, mais c'est... je pense que c'est quelqu'un qui t'a mis dans l'erreur. Mais que... quoi? Une seconde, Rivka, il n'y avait pas de juif à l'époque. C'était les patries. Mais pas. C'est dans l'idée. Le critère numéro un que la Torah nous donne, c'est le fait que. Si jamais elle va donner à boire aux chameaux, elle va donner à boire à tous ces gens qui sont venus. En deux mots, c'était une femme de bonté. Femme de bonté qui s'inquiète pour les autres, gentillesse, etc. Tout le monde a dit ça, d'accord? Mais non, on parle ici d'une femme qui était capable de dire « Mais bois, mon cher ami, pas seulement bois-toi, tes chameaux aussi peuvent boire. Vas-y, sers-toi. » Elle qui se transforme dans la même paracha comme la semaine d'après, comme la femme la plus pire qui empêche les bénédictions de son premier fils. C'est comment tu peux avoir une mère qui, au départ, elle a deux enfants et qu'elle décide de kidnapper les prières, les bénédictions qui auraient dû être données au premier, pour le deuxième. Maintenant, une question qui dérange parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça s'est passé il y a plus de 3000 ans. Rivka, elle n'est plus là aujourd'hui. Il y a des gens qui s'appellent Rivka, bien sûr, mais qu'est-ce que ça me parle? Et c'est ce que l'on voit tout le temps avec Romain et c'est important. Quand on apprend la Torah, ce n'est pas quelque chose du passé. Torah, Milashon, Nora. Torah, c'est un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous, qui veut dire, et savent, est représenté par chacun d'entre nous ici, qui veut dire, on a tous un bon côté et on a tous un mauvais côté. On a tous un bon penchant et on a tous un mauvais penchant. Maintenant, on parle de Esav, qui était, on va dire, le père des nations à l'époque. Il n'y avait pas l'islam, ça n'existait pas encore. Et la question, elle est-ce que quand j'ai un enfant qui cherche sa route, qui se cherche, est-ce que je dois le mettre de côté, si tu n'es pas comme tout le monde? Ou bien je dois le faire entrer à l'intérieur du système? Et ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est pour soi-même. Si ce matin j'ai une tendance, ou parfois un fantasme, ou un désir, peu importe, je n'ai pas envie de faire ce qu'il faut. Tout à l'heure, j'étais à l'hôpital, je suis parti mettre des tuches. Je parlais avec quelqu'un, est-ce qu'il a mis les tefilines? Il me dit juste ce matin, je n'ai pas mis. Mais ça arrive, quelqu'un s'est levé le matin, il n'a pas pensé, il devait prendre la course. Il devait amener les enfants parce que sa femme était à New York au voyage. Il a pas mille choses. Il a mille bonnes raisons pourquoi il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et on a tous des côtés de failles. On a tous des défaillances, je veux dire. On a tous des. On n'est pas parfait. Je parle pour moi. On fait tous des erreurs tous les jours et on a le droit à l'erreur. C'est pas interdit de faire des erreurs. Alors, la question, elle est plus grande parce que, pas seulement qu'elle ne veut pas que le premier soit béni, elle fait passer la bénédiction du premier au deuxième. Et non, c'est pas parce que je m'habille avec les habits de Rothschild que je deviens Rothschild. En tout cas, ça n'a pas marché jusqu'à présent pour n'importe qui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, mon fils? Vas-y, prends les habits de Esav, comme ça, tu ressembles à lui, tu as les habits poilus, tu ressembles au premier enfant, tu te feras passer comme lui. C'est pour ça que tu vas devenir comme lui. Tu peux t'habiller avec les habits de tel, si tu n'as pas ses caractères et, je veux dire, ses différentes qualités, tu ne deviendras pas telle personne. Une des choses que les femmes savent faire en général, ma femme incluse, oui, c'est qu'en général, quand un mari fait quelque chose qu'il ne faut pas, hein, pour lui dire clairement, de la manière la plus claire et la plus directe. Pas besoin de faire une ruse, passer par derrière, ce n'est pas la manière normale d'agir. Et c'est ce que tous les mères juifs ont appris à faire depuis des milliers d'années. Maintenant, elle aurait pu très bien aller voir son mari et dire, écoute-moi, mon cher mari, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tout court. Pourquoi tu veux bénir le premier, alors il faut bénir le deuxième. Si elle pense que ce que son mari fait, ce n'est pas correct, elle peut lui dire. Vous avez des enfants? Deux. Jusqu'à 120 ans en bonne santé. Ça arrive une fois que ton mari ne fait pas ce qu'il faut? Ouais.
Ça arrive. Tu peux le dire, ça ne dérange pas. Après, tu régleras les comptes. Et alors, comment tu fais pour lui dire qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut? Il ne faut pas faire ce qu'il veut faire. Oui. Cache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je veux le voir, je lui ai dit. Tu lui dis, clairement. Qu'est-ce que toi, tu dis, toi, en général? Madame? Ah, moi, toi, tu dis rien. Très bien. On a tout compris. Quand il y a quelque chose qui, quand il y a quelque chose qu'il ne faut pas, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut, qu'est-ce que tu dis? Quand il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord? On le sait. Comment tu le sais? On le sait. On le sent. On le sent, d'accord. Les yeux. Les yeux. Maintenant, le volume sonore. D'accord. Dieu, il a dit à Abraham, qui était les beaux-parents, tout ce que ta femme elle te dira, tu écouteras dans sa voix. Tu feras ce que ta femme elle te dit. Maintenant, je pense que Rivka aurait pu faire la même chose. Elle aurait pu dire à Yitzhak, ta mère, Dieu lui a dit à ton père que tout ce que ta mère a dit, tu devrais l'écouter. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il va agir dans un coup, mais j'ai mis l'idée, on peut parler ensemble, on a la communication. Pas comme aujourd'hui, les gens sont tous sur tous les portables, soi-disant communiquant H24, et personne ne parle avec l'autre. J'ai à chaque fois dans les courses, combien de fois tu vas dans les stations de bus aujourd'hui, toi, tout le monde a un portable, tout le monde est en train d'attendre, tout le monde est en train de parler, t'as peut-être, mais pas une personne parle avec celui qui est à côté. Tout le monde est prêt à parler à travers un écran, mais pas parler en direct. Et quand tu dis dans un couple aujourd'hui, c'est pas un cours sur le couple ce soir, mais si on va toucher un peu le sujet, que mets ton portable de côté, fais comme Shabbat, une heure, mets le portable de côté, parle avec ta femme, échange, communique. C'est ce qu'on fait tous les soirs. On marche une heure ensemble, en général, que ce soit minuit ou une heure, pour échanger, parce qu'on n'a pas le temps de parler dans la journée, quand on peut le faire. Aujourd'hui, tu as des gens qui se disent, on est le plus grand communicant, la génération des communicants, sans jamais communiquer réellement. On voit sur TikTok, on voit sur toutes ces vidéos, les gens, ils savent tellement tout et n'importe quoi, mais sauf pas parler en direct. Prends le téléphone, parle avec la personne, dis, tu veux communiquer. Rivka aurait pu faire la même chose. Faire toute cette ruse que la Torah nous raconte, surtout pas parler avec son mari. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'entend pas, il n'est pas là, il est en voyage, il ne répond pas à l'appel. Bizarre. Maintenant, cette semaine, ce Shabbat, ce sera le jour de la naissance et de la Hiloula du Admour Emtsaï, le deuxième rabbi de Chabad, le fils de Admour Hazaken, l'auteur, le fondateur de la Chassidut de Chabad. Et il vient nous donner ici une réponse magnifique, une réponse énorme qui est une leçon de vie pour chacun d'entre nous, pas seulement dans l'éducation, mais dans la vie en général. Rivka, elle n'a pas du tout pensé un instant de vouloir, on va dire, kidnapper ou enlever les bénédictions que son premier fils aurait dû recevoir. C'est pas ça qu'elle cherchait, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Rivka, ici, elle voulait sauver les bénédictions, faire en sorte que son fils les reçoive, mais qu'il puisse les recevoir. Et ouvrir une parenthèse, parfois des parents veulent être trop bons avec un enfant. Et à la place d'être trop bons, on finit par être le plus mauvais possible. Un parent qui ne sait pas mettre une limite en disant, puisque tu aimes le chocolat, tu n'as pas mangé 10 tablettes. C'est un parent qui est mauvais. Oui, tu aimes le chocolat, c'est très bien, mais ce n'est pas pour ça que tu dois manger 10 tablettes. Ça s'appelle être mauvais ou ça s'appelle être méchant, peut-être aux yeux d'un enfant qui ne comprend pas. Pourquoi tu ne lui laisses pas prendre les 10 tablettes? La réalité, elle, c'est qu'il est le meilleur parent. Il lui donne, il est prêt à lui donner, mais avec une certaine limite. En fait, et puisque je t'aime tellement, va traîner tous les soirs jusqu'à 3h du matin. De toute façon, demain, tu pourras te lever pour aller à l'école. Non, tu ne pourras pas te lever pour aller à l'école si tu traînes tous les soirs jusqu'à 3h du matin. Ça ne veut pas dire qu'il fallait aller à 8h au lit. C'est une parenthèse. Mais maintenant, elle savait très bien que son fils, il a un problème. On va tout de suite voir c'était quoi ce problème, parce que c'est un problème que nous avons tous. Et elle savait que ce problème que son fils, il a, il faut le catalyser, il faut le mettre dans un certain, j'ai dit, certaine enveloppe. Et grâce à ça, on peut s'assurer que si Dieu veut, quand le moment venu, il pourra bénéficier de ses bénédictions. S'il reçoit ses bénédictions aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il n'y a pas à en profiter. Pas seulement ça ne sera pas profité, ça sera gaspillé. Et donc, elle s'est dit, en tant que bonne mère, gardons ses bénédictions pour plus tard. Par contre, le deuxième, il pourra en bénéficier maintenant. Clair ou pas? Et pourquoi il n'a pas dit clairement? Elle n'a pas dit ça. Tout de suite, il y a des choses, justement, tout de suite, alors qu'il y a des choses dans la vie que le dire clairement tout de suite, ça n'a pas marché. Il n'aurait pas compris. C'est pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'on va tout de suite voir une divergence d'approche entre Yitzhak et Rivka. Deux visions du monde. Deux visions du monde qu'il y a entre comment Yitzhak regarde le monde et comment Rivka regarde le monde. Et on doit toujours faire confiance à la mère en général. Ça ne veut pas dire que les pères sont tordus. Mais, en règle générale, dans ces sortes de situations, la Torah nous donne l'exemple. Comment il fallait faire confiance à Rivka? On va rentrer dans le sujet tout de suite. Rivka, elle savait que Esav était le premier adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui un Baal Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire un Baal Tshuva? Quelqu'un qui fait Tshuva, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui a fait une erreur et qui répare.
Si je fais le tour de la table, je ne sais pas si combien de temps on a ce soir, parce qu'on a dit qu'à 9h, il faut dormir. Mais en tout cas, je pense que chacun d'entre nous fait une erreur. A fait une erreur. On fait des erreurs. Et encore une fois, on a le droit de faire des erreurs. Le plus important, ce n'est pas de faire des erreurs ou pas. Le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai appris avec cette erreur. Est-ce que j'ai changé ou je n'ai pas changé? Est-ce que c'est un défi à relever ou pas un défi à relever? Ou est-ce que je reste le même? Je parlais avec un enfant ce matin qui m'a dit, tu sais quoi, moi, je suis arrivé à l'école en retard. Je suis tous les jours 5 minutes en retard. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai dit, écoute, ça même, c'est le problème. Ce n'est pas le problème que tu arrives en retard. Quand tu arrives en retard, tu as le droit d'arriver en retard. Le problème, c'est que tu banalises comme si c'est normal. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que si tu ne sens pas qu'il y a un problème, tu ne vas jamais le réparer. Si pour toi, arriver en retard, c'est la norme, tu ne vas jamais vouloir arriver à l'heure. Alors si tu te dis qu'il y a un problème, il faut que je me travaille. J'ai dit, c'est tellement dur, tu peux te lever un quart d'heure plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois faire exprès de venir en retard pour rénover le prof. Viens à l'heure, tu n'auras pas d'ennui. Revenons d'abord dans les faits avant de répondre à cette divergence de deux personnes. Si quelqu'un a des questions, ça fait de la peine que personne mange. La vérité, c'est dommage. Si vous voulez, je fais une pause. Après, Romain, il va. Mais attends, moi, je me sers tout le temps. Je suis tout le temps en train de manger. T'inquiète. La vérité, j'essaie de me servir comme un grand. T'inquiète. Mais toi, bois. Regarde, tu te savais, t'as pas pu. Je vois qui te sert. Manger, exactement, manger. Faites abracha à mes anotes, manger, tout est kasher, profitez. C'est important. Pourquoi vous laissez tout comme ça? Ça fait déjà 2 jours qu'elle prépare la table, depuis qu'elle atterrit, la pauvre. C'est passé la veille de Pessah. Yitzhak, il devait fêter son 123e anniversaire. Il commence à se soucier qu'il va bientôt partir de ce monde. La Gemara nous raconte comme quoi Yitzhak s'est dit, puisque sa mère est décédée à 127 ans, 5 ans avant le décès d'un parent, on doit se soucier, peut-être c'est la date que Dieu l'a fixée. Il a vécu beaucoup plus longtemps, mais peu importe, il appelle Esav et il lui dit, écoute mon fils, va dans les champs, va chasser, je vous lis le texte, prépare-moi un plat que j'aime, et par ça, je vais pouvoir m'attacher au monde matériel, je vais te bénir avec une vie qui réussit. Ça même, je vous ai dit, on peut ouvrir une autre parenthèse, c'est pas le sujet, on peut voir sur retora.fr. Yitzhak nous montre comment agir face à un enfant rebelle. Yitzhak nous montre comment agir face à un enfant qui n'est pas forcément dans la norme. C'est pas le mode de vie que Yitzhak, un patriarche, il a rien d'autre à faire que dire à son fils, va me chasser deux moutons, deux béliers, deux animaux, deux agneaux, amenez-moi bien rôti, comme les gens disent aujourd'hui, well done, ou un peu cru, pas cru, mets-moi de la moutarde, de la sauce barbecue. C'est de ça qu'on parle, la Torah, il a rien d'autre à faire que d'en raconter une histoire pareille. Un des messages, parmi tant de messages que la Torah va nous faire passer, c'est que Yitzhak, il savait comment se mettre à la place de l'autre. Si c'est ça ce qui lui fait plaisir à son fils, bien on le fait, pourquoi pas. Il a fait quelque chose d'interdit, il n'y a pas d'interdit, mais ça c'est son monde. Et à travers ça, il va l'attirer, il va pouvoir se rapprocher de lui, il va pouvoir créer un lien avec lui, et grâce à ça, pouvoir faire l'amener à un niveau plus élevé. Rivka, qui entend le plan, elle dit à Yaakov, habille-toi avec les habits de Esav, et va voir ton père comme si c'était Esav. Le père qui ne voit pas, il est aveugle, il ne va pas faire attention, il va te bénir. Au final, Yaakov reprend toutes les bénédictions. Et Esav, il jure de tuer Yaakov, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle quand même ici d'un couple qui est un couple majestueux. On parle d'une femme qui est connue pour son trait de caractère, qui est le trait de caractère de bonté, Rivka. 64 ans de couple. Là, ils ont maintenant 84 ans, après 20 ans de mariage dans lequel ils étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfants. C'est presque la vie de quelqu'un d'entre nous aujourd'hui sur Terre, les gens, tu sais, 84 ans, etc. Et là, je pense qu'en 84 ans, ils ont appris à parler entre eux. Ils ont appris à communiquer, ils n'avaient pas de portable à l'époque. Ils parlaient en direct, ils parlaient normal. Comme j'ai dit, la seule histoire qu'on connaît de cette femme jusqu'à maintenant, le seul fait que la Torah nous raconte, c'est le fait que c'est une femme qui nous a montré qu'elle est capable de donner à boire, pas seulement à un étranger. Même on montre aujourd'hui une femme qui, dans la rue, ne connaît pas quelqu'un. Elle dit, mais viens, viens boire, viens avec moi à la maison boire. On n'est pas dans... Quand on voit les histoires qui se passent en France, que chaque semaine, il y a une autre femme qui se fait tuer, ou une jeune fille qui se fait tuer de 14 ans, 15 ans, par un inconnu ou par un proche, quelle femme allait dire une chose pareille? Et surtout qu'elle lui donne à boire à chacun de ses 10 chameaux. Elle n'a rien d'autre à faire. Chaque chameau boit plus de 100 litres d'eau. Ce n'est pas une femme qui a fait de la musculation, je ne sais pas, dans le club fitness en bas de chez elle tous les jours pendant 10 heures. Réfléchissez le décor, c'est quelque chose qui est hallucinant. Ça, c'est la seule histoire que la Torah nous raconte sur cette femme. Rien d'autre à faire. Pas qu'elle dit, tu sais quoi, tu veux boire, pourquoi pas, je te... Viens, je te sers, elle remplit la cruche encore une fois pour chaque chameau, 100 litres d'eau par chameau. Elle cherchait à faire des musculations, montrer qu'elle est forte, je sais pas, qu'est-ce que... Il n'est pas dit que pour les autres chameaux, ils seront montés tout seuls. Midrash, t'as raison, parfait. Mais encore une fois, comme c'est très bien, la Torah, encore une fois, ça ne change pas, on ne peut pas lui enlever le fait qu'elle a fait son effort et elle s'est battue pour. Maintenant, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse, ton prénom, Julia.
Tu sais très bien que dans la Torah, tu as plusieurs manières d'expliquer la Torah. Le sens simple du verset, tu as le sens ésotérique, le sens caché, etc. Tu as préféré choisir le sens caché, il n'y a pas de souci. Le sens simple du verset, tu ne dis pas comme ça, tu prends le texte, ce n'est pas ce qu'il te dit. On peut discuter, il n'y a pas de problème, on peut très bien dire le puits s'est levé. Ce que la Torah nous dit, c'est qu'elle a donné à boire un chameau. Ok, elle a donné à boire un chameau. Un ou deux, je ne vois pas, même si on ne se connaît pas encore assez, je ne vois pas une femme, n'importe laquelle sur Terre aujourd'hui, qui voit un étranger pour la première fois, qu'il n'a jamais vu avant, ni par texto, ni sur TikTok, ni sur WhatsApp, ni sur Snapchat. Elle dit, viens, viens mon ami, viens boire avec moi, et viens, prends tous tes chameaux, et c'est elle qui les sert. Et toutes les façons, il l'a choisi pour ça, parce que Abraham, il a donné cette qualité. Alors, je vais dans ton sens. D'après toi, elle était déjà destinée, elle était déjà fixée, donc c'est même pas pour ça qu'il a choisi. Mais je dis, le premier approche et le premier rapport, c'est un rapport bizarre. Mais néanmoins, c'est la seule histoire que la Torah nous raconte sur cette femme. Elle raconte rien d'autre. Pour nous montrer qu'on parle ici d'une femme vraiment extraordinaire, une femme qui est spéciale, une femme qui est quand même, dans sa manière d'agir, dans sa qualité d'être une femme qui cherche à aider l'autre, qui cherche à aller vers l'autre. Et donc, et de l'autre côté, la même Torah nous décrit cette femme comme la femme la plus bizarre. La femme qui décide de tromper son mari, de ruser son mari, avec l'histoire qui s'est passée à la fin, etc. Je ne cite pas toutes les questions que donne Yitzhak Abravanel, le fameux ministre des Finances en Espagne, raconte sur cette paracha, plus d'une dizaine de questions et beaucoup d'autres. Comment une femme si gentille, si tendre, si bien peut se battre contre son fils? Pourquoi agir avec un tel mensonge? Comment peut transférer une bénédiction d'un fils à l'autre en juste changeant les habits? Et on en passe, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a un problème avec ce fils depuis longtemps, pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elle était stérile et cet enfant est né, je veux dire, ça fait 20 ans qu'elle a cet enfant, 64 ans elle a eu ses enfants, et qu'au final, depuis la naissance, avant même qu'il naisse cet enfant dans son ventre, il indiquait qu'il allait vouloir aller chez les idoles. Donc depuis, on va dire, depuis qu'elle est, avant même, depuis la conception, cet enfant il a un problème avec elle. Elle s'entend pas avec lui. Parle aujourd'hui à une femme qui est enceinte, et qui te dit qu'elle a un enfant dans son ventre et qu'elle l'aime pas parce qu'il va faire telle et telle chose. Mais il n'y a aucune échographie sur Terre aujourd'hui qui va te montrer que cet enfant va devenir un délinquant potentiel ou qu'il va vendre des barrettes ou des savons, on va savoir quoi d'autre, ou il va être un chouf quelque part. Ou on va le retourner, on va le retrouver quelque part en prison, dans une des prisons du 77 ou ailleurs. Ouais, ça n'existe pas. Maintenant, la Barbada, elle continue sur tout ça. Elle te dit que Rivka, ici, elle avait une supériorité sur Yitzhak, que Yitzhak n'avait pas, ça c'est la réponse à la question de, j'ai oublié le prénom, Patrice. J'ai trouvé moi, ça arrive surtout le soir. Elle savait que elle a passé quelque chose pendant la grossesse. Elle n'a pas forcément parlé à son mari. Elle voulait pas lui faire plusieurs soucis après 20 ans de stérilité. Et elle savait que avant même que les enfants ils sortent du ventre, il y a ici deux mondes. Que ces deux mondes représentent l'humanité tout entière, comme on va tout de suite voir d'où sont les convertis. Dans la Torah, on a tous les plus grands convertis sont tous sortis des descendants de Esav, pas des descendants d'Ishmael, pas l'islam, mais les autres nations du monde. Parenthèse qu'on va peut-être aborder tout à l'heure. Elle savait très bien que Esav, pour l'instant, ça n'a pas marché. Pas comme elle aurait voulu. Par contre, Yaakov, c'est l'enfant béni. Et donc, elle voulait que Yitzhak soit d'accord et bénisse Yaakov. Elle savait très bien que Yitzhak, que Esav, elle aussi recevoir les bénédictions. Mais plus tard, pas maintenant. Maintenant, restons sur le sens simple. Elle cherche à enlever les bénédictions d'Esav, les Fabassa et Yaakov. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange le plus, comment on peut avoir une mère qui agit comme ça envers ses propres enfants? C'est pas une prof, c'est pas une institutrice, c'est pas une aide, je sais pas, une aide sociale, ou va savoir, une assistante sociale, pardon. On parle d'une mère. Une mère de faire une telle différence entre les enfants, c'est quand même, pas dire méchant, mais c'est... Pour ça, on est obligé d'avoir affaire avec la chassidut. La chassidut, c'est la mystique juive. Pas seulement la chassidut rabbin, la chassidut tout court en général, qui nous donne toujours ces révolutions dans, pas seulement la pensée juive, mais comment ne pas interpréter le texte basique comme c'est écrit, parce que c'est vrai que tu peux rester avec des questions que tu n'arrives pas à comprendre. Et la Torah nous donne ici deux allusions. Deux allusions pour nous montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, ça te fait travailler. Ne reste pas à lire le texte bêtement en te disant, tu vois comment elle agit cette mère, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut agir. Non, c'est pas ce que la Torah va te faire raconter ici. Plus loin, la Torah nous raconte Yitzhak, il a envoyé Yaakov chez Lavan, le fils de Betuel, la sœur de Rivka, le frère de Rivka, la mère de Yaakov et Esav. Une phrase dans la Torah. Bereshit, chapitre 27. Pourquoi la Torah, elle rajoute ici la mère de Yaakov et Esav? Parce qu'elle allait te dire, Romain, le mari de Jennifer, le père de... Je sais très bien, si c'est le mari d'eux, automatiquement c'est le père d'eux. J'ai besoin de l'avoir dans tous les détails.
Et chacun nous dit que ça fait déjà une paracha entière qu'on nous parle de Yaakov et Esav, de frères, qu'ils ont des parents qui s'appellent Yitzhak et Rivka. Quel est le but de me rajouter ici la mère de Yaakov et Esav, comme si je pensais un instant que c'est une autre Rivka, il y a deux Rivka dans la Torah. On sait très bien que c'est la seule de qui on parle. Ça, c'est premièrement. Rashi, commentateur de la Torah, il vient et il te dit, aime Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et Esav, eini yodea, je ne sais pas, mabal et lamdem, je ne sais pas ce que la Torah est venue nous dire avec ça. Rashi n'a pas honte de dire, je ne sais pas. J'essaie de comprendre qu'est-ce que la Torah a rajouté avec ces mots. Il y a d'autres commentateurs comme le Chizkouni et beaucoup d'autres qui viennent et qui nous disent qu'en réalité, la Torah a fait passer un message énormément important. Pense pas que Rivka, elle aimait un enfant, elle n'aimait pas l'autre. Rivka est la mère des deux enfants. Rivka, elle aime les deux enfants. Elle n'a pas de priorité de l'un sur l'autre. Ça, ce qui s'est passé tout à l'heure, l'histoire des bénédictions, on va y répondre. Mais sache que la Torah veut accentuer ce point que ici, sache qu'en réalité, Rivka, elle aime les deux à part égale. Sans différence. Avançons plus tard, quand on voit à la fin de la paracha que Dieu, il veut amener, porter, je veux dire, mérite sur Rivka. Et Dieu, il dit qu'il veut montrer comme quoi Rivka, c'est celle qui est la femme de Yaakov, la femme d'Yitzhak, pardon, par excellence. Et la Torah termine encore une fois. Sache que tout ce que Rivka, elle a fait en tant que mère de Yaakov et Esav. Même ça qu'elle lui a repoussé, reporté, qu'il reçoive les bénédictions. Elle se souciait pour lui, elle s'inquiétait pour lui. En réalité, ce n'est pas qu'elle banalisait en disant « lui, il ne mérite pas, il n'a pas besoin ». Non, elle a fait ça par son amour envers lui. Tu te dois pourquoi. À la fin de la paracha, et là on va découvrir un peu qui est le personnage, qui est ce Esav. La Torah nous raconte un verset qui apparemment n'a rien à voir. La Torah nous dit « Déborah, celle qui allaitait Rivka, ou c'était la babysitter de Rivka, est morte. Elle a été enterrée à côté de Beth-El. » Et l'endroit s'appelle Alon Bachut. Apparemment, un verset qui ne sert à rien. On sait très bien que la Torah ne dit pas de verset qui sert à rien. Et la Torah nous raconte en se disant, est-ce que d'abord, une nouvelle loi, qu'est-ce que ça veut dire? De là, on apprend que Yaakov, il a dû faire les 7 jours de deuil pour la babysitter de Rivka. Quel rapport, depuis quand on s'assoit 7 jours pour une babysitter, etc. Rashi et Rabban, ils viennent de dire qu'en réalité, on ne parle pas de la babysitter de Rivka, on parle de Rivka elle-même. Donc la Torah, elle a essayé de le cacher. Pourquoi? Parce que la Torah nous a dit que Yitzhak, son mari, n'a pas pu venir à l'enterrement parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Yaakov, il était dans la ville de Sukkot. Il n'est pas encore arrivé à la maison, il n'y avait pas les dépêches à l'époque, tu reçois tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé par WhatsApp, il n'était pas au courant. Le seul qui a accompagné sa mère, c'était Esav. C'est ce que la Torah te fait passer comme message. Soi-disant l'enfant haï, ou l'enfant qui n'était pas présent. Et là, la Torah, si on peut dire, c'est la première des fois que la Torah te montre l'amour qu'il y avait entre les deux. La fusion qu'il y avait entre les deux, l'entente qu'il y avait entre les deux. Si tu penses vraiment que l'enfant haï, qui habitait loin, qui habitait dans la ville d'Edom, c'est lui qui s'inquiète pour le bien-être de sa mère, c'est lui qui est présent lors du décès de sa mère, qu'est-ce que la Torah veut te faire passer comme message ici? Ces 5 mots que la Torah nous parle sur Esav, elle vient de dire, tu sais c'est qui ce personnage? C'est le juif qui ne va pas dans la norme. Ce n'est pas celui qui vient à la synagogue, qui salue tout le monde, Shabbat Shalom, comment ça va, il commence à chanter à voix haute, il met son talit, il met les tefilines. Bref, tout le monde sait qu'il connaît tout, il sait tout, comme celui qui est assis à ma droite. Tu as des gens qui arrivent à la synagogue et se sentent perdus. Tu as des gens qui arrivent à la synagogue et qui se disent, je ne sais pas ce que je fais ici. Je m'embête plus qu'autre chose. Ni je sais lire, ni je sais de quoi on parle, ni je connais les chansons. L'hébreu, ça ne parle pas trop. En plus, il ose pendant la prière demander la page à son voisin, t'as le rabbin qui dit, on n'est pas venu pour parler ici. S'il va se lever pour aller, je ne sais pas, monter à la Torah, il dit, non, désolé, ça ne sert à rien, je ne sais pas lire. Même un talit, il ne sait pas comment mettre. Il s'est dit, tu sais quoi? Je préfère aller au casino, je préfère aller au supermarché faire mes courses, que je vais me prendre la tête à venir dans un endroit pareil. La Torah te dit, serait ça, c'était quelqu'un, et encore une fois, la Torah n'est pas là pour parler du mal de qui que ce soit. Elle te dit, c'était un homme, Yodea Tsaïd Ishadeh. Un homme, un chasseur qui connaissait les champs. Imagine-toi un instant, tu parles à un enfant de 13 ans qui abandonne le cocon familial et que sa passion, c'est de chasser des animaux. Je mets au défi chaque parent qui est ici. Qu'il ait un enfant qui sort de l'école à 7 ans, 8 ans, qui dit « Papa, maman, j'ai envie de devenir chasseur. » Dites-moi la vérité si quelqu'un va dire « Mais t'es fou, mon fils. Je veux devenir chasseur. Avec un fusil, t'as rien d'autre à faire. » Et tu reviens à la maison le lendemain avec une tête de renard, je ne sais pas ce qu'il a trouvé, comme aujourd'hui les gens ils accrochent chez eux à la maison, on voit des fois enseignement des gens qui ont des têtes de ce qu'ils ont chassé, leur proie, leur trophée exactement. Et cet enfant il revient. Il vient et il te dit, cette vie, la vie normale, la vie
que toi tu appelles normal ne me parle pas. Ça ne parle pas. Il s'est dit, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Moi, j'allais dire, pas par rapport enfant-parent, par rapport à la religion en général. Combien de fois ça arrive qu'on rencontre un frère ou une sœur juive qui n'est pas dans la norme, de ce que nous, on pense la norme, qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter d'après ce que moi, j'ai décrit, ce qui est la norme. Et encore une fois, oui, bien sûr, un juif doit faire la Torah, les mitzvot, manger kasher, faire Shabbat, tout est familial, des accords, on en passe. C'est un juif qui n'a pas eu cette chance d'apprendre. Il n'a pas eu cette chance d'être éduqué dans le système, ce qu'il faudrait faire. Et je dis, c'est mon quotidien parce que je le rencontre tous les jours. Tous les jours, je rencontre des juifs qui viennent de nulle part. Ce juif, je suis parti amener les tuiles, je vous ai raconté tout à l'heure. Il était allongé, il vient de se faire opérer, un cancer du côlon. Et il n'a pas de tuiles. Ok, on va dire, ça, c'est pas grave. Ça peut arriver. Il les a laissés chez sa mère, va savoir. Il n'a pas mis les tuiles depuis des dizaines d'années. T'as deux approches. T'as une approche de quelqu'un qui va dire quoi, à ton âge, je n'aime pas les tuiles. C'est pour ça qu'il t'est arrivé ce qui t'est arrivé. T'avais qu'à apprendre à mettre tes tefillin dans ta vie. T'avais qu'à après la prière tous les jours. Et je vous dis, c'est un discours qu'on entend. Pas se voir la face, on parle entre nous, même si c'est en live. C'est un discours qu'on entend malheureusement. Maintenant, ça, c'est le meilleur moyen pour faire en sorte que demain, il va commencer à mettre tes tefillin. Je vous garantis. Il m'a dit, si c'est comme ça, le rabbin m'a dit, je commence à être sérieux. Et il y a le discours que la chassidoute nous a appris en se disant, c'est un juif, il a une neshama à l'intérieur. Il a une âme juive à l'intérieur. Il a fait ou il a pas fait, je suis pas le bon Dieu, je suis pas la police de Dieu sur terre. Mon devoir, c'est que si Dieu il a fait en sorte que je suis en contact avec lui, partager avec lui le A de ma connaissance, le B de ma connaissance. La vie précédente avait l'habitude de dire, si Dieu il a fait en sorte, et la vie répétait ça plusieurs fois, si Dieu t'a enseigné le Aleph, partage le Aleph avec quelqu'un d'autre. Dieu t'a enseigné un bête, partage le bête avec quelqu'un d'autre. Sois pas si égoïste de se dire, non, moi j'ai eu la chance d'apprendre, moi j'ai eu la chance d'être éduqué, lui il n'a pas eu, c'est de sa faute. Maintenant, et ça, son vrai problème, c'était qu'il avait ce qu'on appelle des sentiments débordants et que tout ce qu'il faisait, il faisait jusqu'à 180 degrés. Il aimait à fond, il s'énervait à fond. Tout ce qu'il voulait, c'était avec toute son âme. Il n'était pas à mi-chemin, il n'était pas à moitié, il n'était pas « Ella, Ella ». Ça, les enfants qui disent « Ok ». Des fois, tu as des enfants ils excellent dans, je sais pas, dans les maths, dans l'étude du chumash, dans autre chose, mais que dans les sports, ils sont nuls. Ça passe, ça passe. J'ai demandé à mon fils tout à l'heure avec qui tu as joué aujourd'hui. En fait, je joue au ping-pong. Je fais qui c'est qui a gagné. Je fais j'ai gagné une fois. Je fais pourquoi tu n'as pas gagné deux fois. Il fait parce qu'ils sont plus forts que moi. Okay. J'ai demandé au premier à quoi tu as joué aujourd'hui cet après-midi. Il m'a dit j'ai joué au foot. Très bien. Je fais alors qui c'est qui a gagné. Je fais on a tous gagné. On était tous ensemble en train de jouer. Je sais bien parce que la dernière fois quand je t'ai demandé, tu m'as dit que tu es toujours du côté et qu'ils te mettent dans un endroit, je sais pas, où ils les placent, les enfants, chacun dans la classe. Je sais bien. Tu as joué, tu as participé, tu es content. Quand les enfants, que tout ce qu'ils font, c'est à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire à 100%? Quand ils cassent la maison, ils cassent tout. C'est pas ils cassent une chose. C'est pas la peinture, là, quand tu vois ici les étiquettes sur le mur. Là, c'est encore sympa, c'est aligné, c'est droit, c'est décoratif. Mais tu as des fois que quelqu'un va t'écrire. Ils sont tellement créatifs, c'est qu'ils vont t'écrire sur le mur. Et tu te demandes, mais comment ils sont montés si haut? Comment il a pu arriver si haut? Comment il a pris un stylo? Il m'a dit, mais comment? Ils sont mis à trois, ils ont mis une échelle. Tu essaies de te dire des fois, tu sais comment un enfant de 5 ans, 6 ans, tu dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu leur a mis dans la tête pour que juste au moment où tu viens tout de nettoyer, tu viens tout de faire propre, tout est propre, si c'est pour Shabbat, pour la maison, pour l'inviter. C'est pas la veille, c'est pas le lendemain, c'est maintenant qu'il a décidé, il faut tout mettre en l'air. Donc, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Et des fois, tu te dis, c'est un enfant hein, qu'il est extrême dans tout. Quand il fait quelque chose de bien, il va faire comme il faut, mais quand il fait des bêtises, je vais vous donner un exemple de la maison. Enfin, elle n'est pas au courant. Shabbat. Elle n'était pas là vendredi soir. Elle n'était pas là vendredi après-midi. Donc, préparer la maison. J'entends que les enfants préparent pour Shabbat, etc. À la fin du ménage, je viens nettoyer la cuisine. Tout est propre. J'ai les enfants qui aident. Chacun, il essaie d'aider. Je dis, voilà, toi, tu vas faire ça. Chacun a des vis et tâches. La cuisine, elle est propre. Quand je dis propre, c'est propre. Tout est propre. Il n'y a pas. Mais c'est juste à ce moment-là qu'il faut que Dieu fasse que puisque tout est propre, il faut que, pas la veille, pas avant que la femme de ménage nettoie, pas le lendemain, c'est maintenant que tout est prêt. Bref, donc on a la marmite de la soupe que madame a préparée avant de partir. Pour mettre sur la plaque de Shabbat. Et j'ai mon fils qui, à chaque fois, chaque Shabbat, il aide, chaque vendredi, il aide, il met la plaque, c'est lui qui prébranche la plaque, il veut, pourquoi pas chaque enfant participer, puis c'est important de faire participer les enfants. Mais comme il essaie, il veut toujours faire tout vite et bien, pas prendre le temps. Donc il prend la plaque. Et il fait jamais exprès, c'est pas de sa faute, c'est son excuse, il fait jamais exprès. Et sans voir, lancer la marmite de soupe.
Et quand je rencontre, c'est le bon Dieu qui a fait en sorte. C'est pas que la soupe est tombée juste sur le comptoir ou juste à côté. Partout. Mais c'était une demi-seconde. C'est pas. C'est que même si tu as envie de le claquer, tu peux pas. Même si tu as envie de t'énerver, qu'est-ce que tu vas gagner? Maintenant, tu as de la soupe partout. Si tu pensais finalement à la maison est propre et tu restes une demi-heure avant Shabbat, tu vas te rendre à 4 heures. Rien. Le bon Dieu a décidé que puisque tu veux de la soupe, tu en auras partout. Tu n'auras pas juste dans la marmite. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est resté quelque chose. Alors, il fallait nettoyer. Tu sais pas. J'ai dit, tu as des enfants que tu ne peux pas leur en vouloir. Qu'est-ce que tu veux? Et quand une fois, il a fait ça méchamment. Et quand il m'a dit, mais j'ai pas fait exprès, je me dis, c'est ça le problème. Si tu aurais fait exprès, ça aurait été encore un demi-problème. Le problème, c'est que tu n'as pas fait attention. Et c'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois la même réponse. Je n'ai pas fait exprès. Personne dit que tu as fait exprès. C'est pourquoi tu ne fais pas attention quand tu fais quelque chose. Tu vois qu'elle a ma mite en face. Tu sais que tu as la plaque dans les mains. Fais attention, c'est ce qu'on te demande. C'est pas un enfant de 2 ans. Ça, c'est un cas pratique pour Sophie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vie de ma cousine. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Qu'est-ce que j'ai raté? C'est des catastrophes chez elle. Pourquoi catastrophe? J'ai des enfants maladroits. Qu'est-ce que ça veut dire maladroit? Qui font pas attention à leur environnement. Mais je vais te dire une chose, on se connaît pas. Je pense que chacun d'entre nous, on agit de la même manière. Je pense pas que ça s'appelle, on peut pas dire un enfant, en tout cas, je suis pas d'accord, je pense pas que c'est un enfant maladroit. Je pense pas qu'ils font pas attention. Je pense qu'encore une fois, là, je parle de ce cas précis, par exemple, mais c'est dans tous les cas. Chercher, certainement, il a cherché à aider, il a cherché à faire du bien, il a pas cherché depuis le départ, il dit, mais non, je vais tout faire pour envoyer la marmite de sous partout. Il aurait pu prendre la marmite tout seul, il a pas besoin de prendre une plaque pour le faire. Je pense que, parfois, les enfants nous font refléter qui nous sommes. Dans la vie de tous les jours, on fait toutes ces erreurs. Et parfois, oui, on regrette qu'on fait des erreurs. Et encore, j'ai dit tout à l'heure, on a le droit de faire cette erreur. Quand tu prends quelqu'un comme Esav qui entend que c'est des habits spéciaux, d'où il a eu ses habits spéciaux qu'il a eu de Nimrod, pas le temps de raconter tous les détails, mais qui s'est dit que c'est des habits particuliers pour servir mon père. La Torah nous dit que Esav, c'était quelqu'un de tellement grand qu'il est le grand-père des plus grands du peuple juif. Des plus grands du peuple juif, on dit que Ankelos, celui qui a traduit toute la Torah, le converti, descend de Esav. Shmaya et Aftalion, on voit dans la Mishnah, descend de Esav. Rabbi Meir, descend de Esav. Rabbi Akiva, tout ça, ce sont des enfants de convertis. Tous ces plus grands du peuple juif, ce sont des enfants de convertis, qui leur grand-père, ou leur arrière-grand-père, c'est ça. C'est pas Mahomet. Maintenant, le Torah nous dit, l'Admor HaZaken, que ça, il avait des étincelles tellement importantes qu'on Rabbi Meir, Ankelos, etc. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le dit clairement que les convertis du peuple juif viennent tous de Edom, tous de la généalogie de Esav. Aucun vient d'Ishmael, aucun vient de l'islam. La réalité, tous les plus grands du peuple juif convertis viennent du côté de Esav. Alors, qui est ce Esav? C'est un terroriste? C'est un tueur? C'est un chasseur? C'est un voyou? C'est quelqu'un qui est marié avec des femmes idolâtres à tel point que la fumée de l'idolâtrie qu'ils font à la maison, ça a aveuglé son père, Yitzhak? Ou bien c'est quelqu'un qui est magnifique, qui se donne pour le respect de ses parents, sa mère, à l'enterrement de sa mère, son père, qui fait tout pour son père? Et j'allais dire, c'est la question qu'on doit se poser chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est ce que nous pensons que nous sommes, ou bien, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui que nous sommes tous bipolaires, on a ces deux aspects à l'intérieur de nous. Et ces deux aspects que parfois le premier aspect se dévoile, et parfois on a l'aspect interne à l'intérieur de nous. Comment on a ces deux aspects? Et ça, c'était un génie. C'était un génie qui connaissait la puissance de l'âme, et la puissance de l'âme à divine, ce qu'on appelle l'âme juive. Vous allez me dire, il n'y avait pas encore le peuple juif, mais les patriarches ont fait la Torah avant qu'on la reçoive. Mais à l'intérieur de nous, on a aussi cet âme animale. On a ces deux combats à l'intérieur de nous. C'est un combat que le Tanya nous explique qu'on a quotidiennement H24. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas ce combat, il n'est pas de cette planète. Il faut qu'il change dans un autre monde. Ça n'existe pas un jour dans lequel tu ne te poses pas la question, à chaque instant, est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire ou pas faire ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je me lève du lit ce matin alors que je suis fatigué? Ou bien non, malgré que je suis fatigué, je vais me lever, je vais faire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut n'importe quelle chose? On a ce combat interne et parfois c'est par rapport à notre sous-conscience qu'on ne se rend pas compte. Parfois on a des sentiments qui veulent exploser. Parfois on a des désirs ou des fantasmes qu'on ne laisse pas s'exprimer. Et parfois on les laisse s'exprimer. Parfois quelqu'un va s'énerver contre sa femme, contre son mari, contre le voisin, contre la société, peu importe. Et la seconde après, il va regretter. Et ça ne change pas qu'il s'est déjà énervé. Ça ne change pas qu'il était plein de colère. Dans la Kabbale, la Chassidoute nous explique, et l'auteur de la Kabbale, la phrase qu'on va les décrire, c'est que parfois on a ce qu'on appelle « Orot merubim vekelim moatim ». Des lumières trop nombreuses et des récipients, des réceptacles trop petits. Quand tu as un verre et tu veux verser une bouteille dans un verre, ça ne marchera pas. Le verre peut contenir qu'un verre, il ne peut pas contenir une bouteille. Parfois les lumières sont trop fortes,
Parfois, les émotions sont trop grandes. Et parfois, les récipients sont trop petits. Et lui, on dit que l'amour tue. Parfois, par amour, on peut aussi tuer quelqu'un. Et savoir se contenir, savoir canaliser les émotions, savoir canaliser n'importe quel trait de caractère et se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le chocolat, c'est bien, mais pas 10 tablettes. Ce n'est pas forcément qu'on sait le faire tous les jours pour soi-même, à plus forte raison envers les autres. La Bible nous rappelle, quand on parle, ça c'est par rapport à Esav, quand on a amené Esav, quand on a amené Yaakov, pardon, pour être enterré dans la cave des patriarches, il dit que Esav, il était avec un groupe de soldats sur la porte des caves des patriarches, et il a empêché que Yaakov soit enterré là-bas. Yaakov qui était son frère. Il a dit, il y a 8 caveaux là-bas. Adam et Ève, Abraham et Sarah, ça fait 4. Yitzhak et Rivka, ça fait 6. Qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, qui c'est qui s'est enterré là-bas? Vous êtes parti une fois à Hebron? Non? Yaakov et Léa, d'accord? Maintenant, Léa qui était déjà décédée, Yaakov c'est le 8e caveau, et ça veut dire c'est pour moi. Mais Yaakov, laisse-moi tranquille, c'est pas pour toi. Il a dit, ça m'appartient, je suis le 8e, c'est moi qui dois rentrer là-bas, c'est pas quelqu'un d'autre. Ils ont envoyé Naphtali qui est parti en Égypte pour aller chercher les actes d'achat, les contrats de vente du coffre-fort de Yosef. Bref, et en attendant, Hushim, le fils de Dan, il ne comprenait pas, il était sourd, il ne comprenait pas ce qui se passe. Il dit, son grand-père, il est là, le cercueil, on ne laisse pas enterrer, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il a pris un bâton, il a tapé sur la tête et ça, à l'époque, c'était la manière de parler, comme on voit aujourd'hui dans certains quartiers. Et la tête s'est détachée de son corps et elle a tourné jusqu'au cercueil de Yitzhak et elle est enterrée là-bas. C'est qu'aujourd'hui, dans la cave des patriarches, à Hebron, il y a 8 corps, 8 patriarches et la tête de Esav. Attends, j'ai pas compris. Il a donné un coup de bâton et il est mort? Oui. Ça, pourquoi? Tu considérais qu'il y a... À l'époque, c'est comme ça que les gens agissaient. Tu vis pas dans certains quartiers, mais ça se passe quotidiennement, en général. Attends. Maintenant, ça veut dire que la Kabbalah explique que la Chassidut, que Esav était départagé entre la tête et le cœur. Il y a le cerveau et il y a le cœur. Qui veut dire que dans le cerveau, il était peut-être avec des idées spirituelles très élevées, mais le cœur, pas forcément suivait le cerveau. Qui veut dire, quand on met ça dans le contexte de chacun d'entre nous, combien ici présents ont parfois dans la tête, on sait exactement ce qu'il faut faire. Mais le cœur dit déjà différemment. Parfois, le contraire. Le cœur veut agir d'une certaine manière et la tête te dit, il ne faut pas agir de cette manière. La tête te dit, tu es fatigué ce soir, qu'est-ce que tu vas prendre la tête à conduire maintenant, à prendre un cours, à aller donner un cours à des gens à moitié endormis, qui n'écoutent pas, qui ne connaissent rien, va savoir. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des gens qui parlent comme ça. Et tu as des gens qui vont te dire, tu sais quoi, qu'est-ce qui a dit que tout, tu dois comprendre. Et ça, c'est une des bases. Une des bases fondamentales du judaïsme, quand on est ce mois de Kislev, le mois, on va voir dans 2 semaines, je donne une conférence à Romainville, si Dieu veut. Surtout ce sujet du 19 Kislev, le jour de la libération des prisons de l'Admor HaZaken, le premier rabbin de Chabad, le jour du dévoilement de la Chassidut du Baal Shem Tov, qui est de faire régner le cerveau sur les sentiments. Si on résume la Chassidut en une phrase, c'est ne pas faire ce que je veux, mais faire ce qu'il faut faire. C'est facile à dire, tout le monde le dit. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un combat quotidien. Parce que par définition, le corps est matériel et l'âme est spirituelle. Le corps tire vers un sens, l'âme tire vers l'autre sens. Le corps veut faire tout ce qui est les choses grossières, matérielles, terrestres, animales. Et l'âme peut faire ce que Dieu veut. Et c'est un combat quotidien. Et pas forcément qu'on s'entend tous les jours. Pourquoi Dieu devait faire les choses si compliquées? C'est un autre cours, on peut voir sur l'application les cours de Tania. On a plus d'une 60aine de cours dessus. En 6 ans, on a fini d'écouter Amarim. Mais la base de la Chassidut vient nous montrer que Dieu voulait justement nous mettre au défi. Dieu, il voulait qu'on se batte quotidiennement à ne pas se laisser aller, à ne pas faire ce qui est facile. Faire les choses faciles, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours hier soir. S'il n'y a pas de concurrent, tu ne vas pas vouloir aller faire encore mieux de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Si tu es le seul sur le marché, tu ne vas jamais vouloir faire mieux. Quand tu as un concurrent, tu vas toujours vouloir faire mieux. C'est une des raisons pourquoi c'est bien d'être jaloux quand c'est utilisé comme il faut. Rivka, maintenant quand on reprend ça dans le contexte de Yaakov et Esav, en réalité, il n'y a pas de débat entre eux. Comme je dis, c'est un des couples les plus parfaits que la Torah nous passe. Ce n'est pas un couple qui était vraiment... ils ne se parlaient pas, ils ne communiquaient pas, etc. Ce n'est pas que Yitzhak voulait bénir Esav et Rivka ne voulait pas qu'il soit béni. Le débat, c'était sur la tactique, sur la manière de faire. Comment lui faire passer les bénédictions qu'il doit recevoir? Yitzhak, il a dit, je préfère lui donner maintenant une injection de bénédiction, une bombe atomique de bénédiction. Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir éradiquer le mal et faire le bien. Rivka a dit, écoute-moi, ça ne va pas marcher. Ça va peut-être marcher, mais ça va exploser.
Le récipient n'est pas fait pour. C'est un verre qui est fait en cristal. Si tu mets de l'eau chaude, ça explose. Tu dois mettre de l'eau tempérée, de l'eau adaptée. Enfin, du coup, Israël n'était pas au courant. Deux manières de faire. On a le droit d'être d'accord, d'être en désaccord. Comme dans tous les couples. Israël se disait, moi je pense qu'il faut mettre une bombe de lumière, une bombe de bénédiction. Ça, ça va faire en sorte qu'il va totalement faire ce qu'il faut faire, être dans le bon chemin. Yitzhak a dit, je pense qu'il y a un temps pour ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Il n'est pas encore prêt pour. On va bientôt fêter la fête de Hanouka. Je vais donner les kits, on va discuter à chacun après. Un des grands débats qu'il y a dans la Gemara sur Hanouka, c'est le fameux débat entre Beit Hillel et Beit Shammai. Le débat qui est, est-ce qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme on a l'habitude d'allumer en général les bougies de Hanouka, ou bien 8, 7, 6, exact. Et c'est quoi la halakha? 8, 7, 6. 8, 7, 6. C'est qui a dit ça? C'est toi qui a dit ça. D'accord? Qu'est-ce que tu allumes le premier soir de Hanouka? Tu viens de dire 8, 7, 6. Une bougie. Non, parce que... Mais le débat, c'était, est-ce qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8, 7, 6? Pourquoi t'as dit 8, 7, 6? 8, c'est les 8 d'un coup le premier jour, puis c'est l'air. Ah non, non, je croyais dans l'ordre. Je croyais la chronologie. 8, 7, 6, moins. Mais alors, 8, 7, 6, comment c'est dans l'ordre 8, 7, 6? Ah, quand tu l'as dit à la 8e. Ah non, c'est pas ça que je parlais. Je disais que le débat, il est, est-ce que le premier jour, il faut allumer une bougie, le deuxième, deux bougies, le troisième, trois bougies, ou bien le premier jour, allumer 8, le deuxième, 7, le troisième, 6, et le dernier jour, 1. Débat qui est dans la halakha. Beit Hillel, Beit Shammai. C'est pas la seule chose bizarre qui est dans la Torah. Maintenant, la réponse, elle est, la halakha, on dit très bien que la halakha, elle est quoi? Chanukah, le mot Chanukah, c'est l'acronyme de Chet Nerot ve halakha ke Beit Hillel. 8 bougies, et la halakha, elle est comme Beit Hillel, qui veut dire on allume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier jour, 1, deuxième jour, 2, troisième jour, et on finit avec les... C'est quoi l'idée derrière? Encore une fois, on s'ennuie, on n'a rien d'autre à faire que de parler, c'est ça. La chassidoute explique que le débat, c'est un débat qui est le même débat qu'on a entre Yitzhak et Rivka. Est-ce qu'il faut commencer? Beit Shammai te dit, tu veux éclaircir le noir, Chanukah, on a le devoir de propager le miracle, pour ça on allume toujours dans les grandes places, anciennement on a 4 allumages, c'est le flash info. On a lundi soir à Pontecombo avec le maire, lundi 19, 18 on ne peut pas parce que c'est la Coupe du Monde, mais lundi soir avec le maire, mardi soir à Bissy-Saint-Georges avec le maire, mercredi soir à Noisiel, à Intercy avec le maire, et Fontainebleau face avec Château de Fontainebleau face à Napoléon Bonaparte. Tous les ans on a l'allumage aussi là-bas avec la présence du maire, tout celui qui veut venir, après il y a les présents aussi, mais ça c'est pas pour le public. Mais en tout cas, c'est l'idée d'allumer à l'extérieur, de propager le miracle. Beit Shammai vient et te dit, il fait noir. C'est comment tu éclaires la nuit, tu mets une bombe de lumière. Une énorme lumière. Mais qu'est-ce qui se passe pour tout celui qui sait quand il fait noir, pas comme ici, il fait vraiment noir, et tout d'un coup tu exploses la lumière. Qu'est-ce qui se passe avec chacun d'entre nous en général? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mal aux yeux. Mal aux yeux, tu vois rien. Tout d'un coup, avant d'ouvrir les yeux, tu commences à être aveugle, tu vois pas. C'est trop fort. Par contre, aujourd'hui, dans toutes les nouvelles maisons, tu rentres, les gens, ils ont l'habitude d'avoir les boutons qui peuvent te régler la lumière de 5%, 10%, 15%. Quand petit à petit, tu mets la lumière, là, tu peux t'adapter. Viens, Beit Shammai, et te dit, tu sais quoi? Tu veux chasser la lumière? Tu veux chasser l'obscurité, pardon? Tu veux exploser la lumière. Enfin, t'as exposé la lumière, là, tu vas voir. Ça, c'est l'approche de Yitzhak. Rivka, elle dit, cher ami, parlant à son mari, si tu veux qu'il puisse recevoir la lumière, commence avec une bougie. Commence pas avec 8. Si tu veux être capable de vraiment profiter de cette lumière, commence avec une. Commence avec une bougie qui veut dire avec un seul niveau, une lumière. Demain, une deuxième. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit le message de Hanouka, le fait de ne jamais se contenter avec ce qu'on a fait dans le passé, toujours augmenter, toujours évoluer. Et prenons la même chose avec le voyage à New York des femmes qui vient de se passer, des dames, le voyage des hommes la semaine prochaine. Et on dit à chaque fois qu'il faut prendre des bonnes résolutions, remercier, avancer. Et combien de gens, quand tu parles, de prendre des bonnes résolutions, qu'est-ce qu'ils te disent? Je le rappelle demain, je fais prier 3 prières par jour, pureté familiale, je commence à mettre 2 paires de tefillin, je commence à faire Shabbat 24 heures sur 24, je couvrir la tête. Oui, on a l'habitude de mettre des pâtes tous les jours, hein, chez Rabbi Noutam. Bref, je fais la totale. 613 commandements, je ne suis pas Cohen, je ne suis pas femme. Tout ce qui est pour moi, je commence à faire. Magnifique. Mais je vous garantis que ça n'a pas duré. Ça a duré un jour, deux jours. Parlons des régimes. Un métier que je connais bien. Dans lequel les gens vont te dire, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de gâteaux, plus de sucreries. Monsieur le rabbin, je dis, je fais les choses dans la norme. Je vous garantis que ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que quand tu veux avoir une bombe de lumière, quand tu veux faire quelque chose qui est sans limite, que ça c'était Yitzhak,
Yitzhak, pourquoi il pensait comme ça? Parce qu'il pensait qu'Esav était prêt à recevoir. Il connaît aussi son fils. Mais il s'est trompé, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il ne lui a pas donné les bénédictions, il ne s'est pas trompé. Non, Rivka. Pourquoi ça n'a pas marché? Adam n'a pas fini. Qu'est-ce que ça n'a pas marché par rapport à qui? À Esav. On n'a pas fini. Désolé. D'où tu sais que ça n'a pas marché? Il n'a pas fini de rien. Pourquoi il n'a pas fini bien? Mais il n'a pas choisi la bonne. Ok, à la fin du cours, tu me diras si tu penses la même chose. Dans une heure, pas fini. Combien de gens te disent « Je suis prêt à mourir pour le nom de Dieu ?» Je ne te demande pas de mourir pour le nom de Dieu. Je te demande de vivre comme un juif. Vivre comme un juif, tu veux dire, c'est beaucoup plus dur de vivre en faisant ce que Dieu demande, que c'est dingue, je vais mourir pour... Vivre comme un juif, ça veut dire que chaque jour, c'est un débat quotidien, c'est le fait que quotidiennement, c'est dire « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux par rapport à ailleurs ?» Comment aujourd'hui, mon quotidien, il va être différent par rapport à ailleurs ? Comment aujourd'hui, je vais agir différemment ? Et pas si c'est pas seulement aujourd'hui... Jour d'anniversaire, j'ai oublié que c'était ma tête vraiment pour son anniversaire la semaine dernière. Il vient d'avoir 55 ans, il lui reste encore énormément de long moments importants de... Le jour d'anniversaire, c'est quoi? Le jour d'anniversaire, on médite, on réfléchit, on dit c'est ton jour de Rosh Hashanah. Le jour dans lequel tu dois prendre des bonnes résolutions pour toute l'année à venir. C'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne peut pas vivre sans toi. Le jour où Dieu a décidé que tu as une mission à faire sur Terre, que sans toi, le monde ne peut pas exister. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Le bon Dieu, il a décidé que le monde ne peut plus être le même sans toi. Il a décidé de te mettre à cet instant, ce moment précis. En quoi tu vas évoluer? En quoi tu vas changer par rapport à ailleurs? Alors, hein? Alors, le rabbi, il a dit qu'il faut faire la tzedaka le jour de son anniversaire. Oui, pas que ça. Beaucoup plus. Pas que ça. Méditer le jour d'anniversaire, réfléchir. Qu'est-ce qu'on... C'est les 10 commandements qu'on envoie à chaque fois, vous avez reçu dans la lettre. Le fait de se dire en quoi... Cette année, je vais être différent de l'année dernière. En quoi je vais changer? En quoi je vais évoluer? On grandit tous matériellement, mais est-ce qu'on grandit spirituellement? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais toujours me suffire avec ce que j'ai fait l'année dernière ou je vais toujours évoluer et avancer? On a le devoir d'avancer. On ne peut pas être en décalage. On donne à nourrir à notre âme, on doit donner à nourrir à notre corps aussi, sans différence. Alors, pour répondre à la question de Julia, est-ce que concrètement, ça a marché? Est-ce que Yaakov a réussi à avoir un impact sur son frère? Et ça, c'est une des plus grandes questions qu'il y a dans le Chumash Bereshit, qu'on se demande, est-ce qu'au final, cet exploit ou cette approche de Rivka, c'était une approche qui a réussi à la fin ou qui n'a pas réussi. Dans 2 semaines, on retourne, Yaakov il revient en Israël. Après qu'il s'est enfui de son frère qui a voulu le tuer. Sa mère qui lui a dit, sépare-toi de son frère, etc. Et on voit qu'après 34 ans de déconnexion totale, il décide, si on peut dire, d'aller réveiller le chien qui s'est endormi. On parle quand même de son frère. Pourquoi il a dû s'enfuir? Il a dû s'enfuir parce que son frère voulait le tuer. À la place de se dire, ça fait 30 ans qu'on ne se voit plus, qu'on ne se connaît plus, laisse-moi tranquille. Tu te rends compte qu'il envoie des émissaires, il envoie des envoyés pour dire qu'il veut faire la paix avec son frère. Yaakov. La Torah te dit que Vaishlach, Yaakov, Malachim, il envoyait des anges vers Esav. Et Dieu dit à Yaakov, il est parti, il s'est séparé de toi, toi tu vas le chercher. Tu as un voyou qui essaie de venir t'embêter dans la rue, tu ne vas pas le voir, il dit, tu veux pas une cigarette, quelque chose, je peux t'aider. Il est venu casser ta voiture, laisse-le tranquille, qu'il s'en aille. Pourquoi tu... Pas seulement que Yaakov l'envoie des anges, mais il se rabaisse face à son frère. À 8 reprises, la Torah nous dit qu'il appelle mon maître, Adoni, mon maître Esav. Et il se dit, ton esclave. En disant à son frère, je suis ton serviteur, ton esclave. Ces mots n'aident pas. Les anges reviennent. Et ils disent à son frère que quoi? Ton frère n'est pas prêt à faire la paix. Il se prépare à la guerre. Il n'a toujours pas oublié la haine qu'il a contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? À la place de dire, ah, tu cherches la guerre, tu vas la trouver. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? À la place de se dire que Dieu certainement il veut m'aider. Non, Yaakov il choisit une autre tactique en se disant, je vais essayer de lui donner des cadeaux. C'est pas parce qu'il avait peur de lui justement. Peur de quoi? Dieu était avec lui. Justement comme il sait qu'il voulait le tuer. Écoute pas une chose, aujourd'hui le bon Dieu vient te voir et te dit en direct, je suis avec toi, t'as pas à avoir peur, je pense pas que t'auras peur. Dieu il est avec nous à chaque instant, mais il nous l'a pas dit en direct comme il a dit à Yaakov. Peur de lui, si t'as peur de quelqu'un, tu peux lui amener un cadeau. Le problème, c'est qu'il s'est préparé aussi à la guerre. La prière, le cadeau et la guerre, les trois. Il envoie un énorme cadeau à son frère. Et après, pendant la route, il rencontre l'ange de Esav. C'est là qu'il a changé son nom. Il s'appelle maintenant Israël, pas Yaakov. Mais la suite, elle est qu'au départ, Yaakov, il s'excuse en disant, je suis totalement désolé, je suis arrivé en retard parce que j'ai travaillé chez Lavan, j'ai fait les 613 commandements. Tu comprends que j'étais tellement occupé, mais non, de quoi il est occupé? Il avait un devoir de revenir le voir. Il avait un devoir de revenir se lier avec lui.
Yaakov savait quelque chose que nous, on ne savait pas. Et Yaakov, il a voulu mettre les choses claires en disant la mission qu'il a reçue de sa mère, Yaakov, de se soucier à son grand frère et d'amener cette grande lumière que son grand frère avait, qui était encore cachée, mais que maintenant est le moment de se dévoiler. Si on pense que c'est quelque chose de bizarre, Bereshit Rabba nous dit, Rabbi Abi, dans le nom de Rabbi Chounia, que Yaakov, il a tenu le contact avec son frère et Esav, il l'a envoyé en cachette des WhatsApp tous les jours. Malgré que sa mère n'était pas forcément au courant, Yaakov, il n'a pas laissé ces étincelles qui étaient à l'intérieur de Esav, qui étaient avec cette énorme énergie, qui n'était pas forcément canalisée, se disperser ou se perdre. La veille de Pessah, il a envoyé des matzot. La veille de Sukkot, il a envoyé un lulav et un etrog. La veille de Hanouka, il a envoyé des bouchées de Hanouka. Yaakov, il savait qu'au final... Anachronique. Il n'y avait pas eu Hanouka et Sukkot. Pourquoi tu dis ça? On dit que les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Ah, je sais pas. T'es fatigué, je t'ai pas encore dormi du voyage. Non, non, c'est pas possible, c'était pas. Non, d'accord, ils ont fait la Torah, mais. Ils ont fait la Torah de manière différente, ils ont fait la Torah de manière spirituelle, pas de manière matérielle. Effectivement, on n'a pas encore fait les choses matérielles comme ils l'ont fait. Mais on te dit qu'ils ont fait les 613 commandements avant qu'on la reçoive. Donc tu vas me dire comment ils ont fait Kippour si Kippour n'existait pas encore. D'accord, pose pas la question sur ça, pose la question sur les patriarches. Oui. Très bien, alors la Torah te dit qu'ils l'ont fait de manière différente de comment nous on l'a fait. Mais ça ne pêche pas qu'ils ont fait la Torah. La semaine dernière, on a raconté avec les anges, comme quoi Yaakov, Avraham, il a servi d'abord le lait et le beurre avant de servir les langues de bœuf, etc., qu'il a servi aux anges. Pourquoi? Pour montrer qu'il ne mélangeait pas le lait et la viande. Lui, il a pris ses lois. Il faisait Pessah. Exactement, c'était le soir de Pessah qu'il venait les voir. C'est une des raisons que la Torah nous raconte. La Torah te dit qu'une des raisons, quand les anges sont venus, il a demandé à sa femme de créer Lushi, va si Ugot, va pétrer, va faire des gâteaux. Mais le fait qu'il a dit Ugot, c'était des gâteaux ronds, c'était des formes de matzot, parce que c'était le soir de Pessah, parce qu'il fallait faire des matzot. C'est Rashi. C'est pas une invention. Alors, on te dit que les patriarches ont fait la Torah avant qu'on la fasse. T'es pas au courant de ça? Non. Tu vois, faut refaire un voyage. Je trouve ça bizarre quand même. Pourquoi tu trouves ça bizarre? Parce que c'est trop élevé pour nous. Pourquoi c'est bizarre? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Tout ce qui n'est pas physiquement acceptable dans notre monde d'aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter, que ce soit même Adam et Ève, la même personne, avec deux... Voilà, ça reste un peu des histoires. Je t'explique. 900 ans, c'est compliqué, et je pense qu'il ne faut pas réfléchir là-dessus, et Jed, à chaque fois, elle bloque. C'est pas, non, c'est pas ça, on va ouvrir cette parenthèse. D'abord, tiens. Dans la mesure où on fait aujourd'hui Pessah, Sukkot, etc., en souvenir d'un événement précis, comment eux, ils ont pu, avant que cet événement arrive, Alors, je te réponds très très simple. Combien de mitzvot on peut faire aujourd'hui concrètement? Sur 613. Quand tu dis à un juif, un non-juif qui veut se convertir, tu dis, tu sais quoi, il y a 613 commandements à faire. Combien de mitzvot tu peux faire concrètement? Concrètement, au moment où on parle maintenant, combien on peut faire de mitzvot? Au moment où il est maintenant 10h20 du soir, un mardi soir, combien de mitzvot on peut faire? Jérôme. Hein? Jordan. Pourquoi j'ai dit Jérôme? C'est celui qui est derrière. Okay. Jérôme, c'est celui qui répond pas au message. Qui répond pas au message. Tu vois, et moi je suis rentré, je lui ai dit c'est Jérôme, je vais tomber dessus. Le pauvre. Mais tu vois, c'était pas toi. Combien? Peut-être 613. On peut peut-être faire les 613. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, j'ai moins que 613. Combien? Passe mouillé. Vas-y, dis. Dis-moi. Je dirais la moitié. Pourquoi tu dis la moitié? Comme ça. C'est combien la moitié de 613? C'est combien la moitié de 613? Voilà. 306. C'est faux. C'est pas 306? 306 et demi. OK. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis, Jennifer? Moi, une bien. Je dis combien d'épisodes on peut faire sur 613? Une, elle te dit, une bien. Qu'est-ce que ça veut dire, une bien? Une bien, tu sais. Shabbat? Mais combien aujourd'hui, de nos jours, on peut faire de mitzvot? Est-ce que tu peux faire 613? Est-ce que tu peux faire. Il y a des choses qui sont plus possibles, sûrement, dans la vie. Il y a beaucoup de temps. Ah, mais je ne connais pas. J'ai dit 200, je dirais. 200. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai 10 qui sont les tables de la main. Les 10 sont à de la loi. Ouais, c'est non. Pas mal. Ah non. Ok. Ben, ça part plus quand même. Non. D'accord. Plus, non, dans les tables de la loi, c'est pas écrit pureté familiale, c'est pas écrit tefillin, c'est pas écrit kasher. On fait pas tout ça. Mais la viande, si on c'est pas écrit tout ça. On n'est pas connu. Je vois une question simple. Pourquoi compliquer les choses? C'est une question simple. Alors je demande justement, quelqu'un lambda, quelqu'un simple. 348. 348. La réponse, elle est.
que les trois quarts, deux tiers, pas des trois quarts, deux tiers des mitzvot, on ne peut pas les faire aujourd'hui, même si on veut. Ah. Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour ça, on ne pratique pas les mitzvot aujourd'hui? Tous les mitzvot, on les fait. On les fait de manière différente. On les fait spirituellement. Et ça, c'est toute la beauté des mitzvot. Alors, un exemple. Un exemple tout court, tous les matins dans la prière. Ouais. Tous les matins dans la prière, que vraiment il prend à chaque fois trois quarts d'heure, une heure pour faire le matin, tous les matins, de prière tous les matins. Tu as une phrase qui est écrite dans les sidours qui te dit « On ne chalma parim soteinu » qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas la possibilité d'amener les sacrifices dans le temple. C'est pour ça qu'on fait la prière du matin, la prière de l'après-midi et la prière du soir, pour remplacer les sacrifices qu'on amenait dans le temple, le matin et l'après-midi, et les sacrifices qui continuent à brûler sur l'autel, qui continuent jusqu'au soir. C'est-à-dire que tu as énormément de mitzvot aujourd'hui qu'on ne peut pas faire matériellement parlant. Et on les fait spirituellement. Et avec ça, c'est considéré comme si on a fait les mitzvot à 100%. Okay. Le temple aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas encore reconstruit. On prie tous les jours que Dieu nous renvoie Mashiach avec la reconstruction du temple. En attendant, on te dit que quand on apprend les lois du temple pendant la période des trois semaines, c'est considéré comme si on est en train de construire le temple. C'est moi qui le dis. C'est Dieu qui a dit à Yéhézkiel, Ézéchiel en français, Dieu lui a dit, va enseigner les lois du temple au peuple juif. Pour la construction du troisième temple, Ézéchiel s'est plaint à Dieu en disant « Mais les Juifs sont en exil, à quoi ça sert d'apprendre les lois du temple ? D'abord, amène ma chère, après on parlera du temple. » Dieu lui a dit « Quoi ? Parce que mes enfants sont en exil, le temple sera annulé. » Dieu lui a dit « Va apprendre avec eux les lois du temple. » Et grâce à ça, ça sera considéré comme s'ils sont en train de, considérer, de construire le temple. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te montrer ? Qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, qu'on ne fait pas matériellement, mais on les fait spirituellement. Et c'est considéré comme si on les avait fait matériellement. Donc revenons au sujet des patriarches. Dans ce sens, ça marche. Revenons au sujet des patriarches. Ils n'ont pas fait. Je dis que Yaakov ne mettait pas les tefillines comme nous on les met. Il ne mettait pas les peaux de vache avec les lanières noires, etc. Mais il mettait des morceaux de bois qui mettaient les tefillines. Avec après, j'étais par terre, ça n'avait pas de doucha, la nouveauté du don de la Torah. En 2448, c'est qu'il y a eu ce contact et cette connexion entre le matériel et le spirituel qu'avant n'avait pas. Mais ça ne change pas qu'il mettait les tefillines. Ça ne change pas qu'il faisait tous les autres mitzvot. D'accord ? Que ce soit Pessah, Sukkot, etc. Alors effectivement, pour nous, on les fait par rapport au temps. Mais eux, ils les faisaient spirituellement parlant. Ils connaissaient toute la Torah avant qu'on la fasse. Terminons avec la réponse à Julia qu'on a dit tout à l'heure. Yaakov, il a continué le contact avec Esav et c'est ce qu'on dit toute la prière, dans la prière de tous les jours. « Ve'alou moshim be'ar tzion nishpot et ar Esav » car il commence à venir. On va pouvoir monter vers Sion, on va revenir à Jérusalem. Et là, on va pouvoir être réunis encore avec toutes ces étincelles d'Esav qui se sont évadées, qui se sont éparpillées dans le monde entier, que parfois, elles sont restées comme des étincelles non élevées, non ramenées vers la sainteté, non dévoilées, non éclairées. Et comme Hachem va venir, on verra comment tout a déjà été éclairé, tout a déjà été illuminé. Donc c'est un processus qui a commencé depuis l'époque, qui ne s'est pas encore terminé puisque Hachem n'est pas encore là. Mais au final, Esav est en train d'être amélioré. Maintenant, si tu veux parler en mots en 2022... Je pense que vivre dans une période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la plus belle période du monde. Je ne parle pas maintenant du Qatar et tout ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Mais quand tu vois que les nations du monde regardent le peuple juif avec une telle admiration, quand on voit qu'un des plus petits pays au monde apporte tellement de bien à l'humanité tout entière, que ce soit en médecine, que ce soit en technologie, que ce soit... Quand on voit l'évolution de comment le monde admire, approche... Alors bien sûr, on peut toujours se focaliser sur le point noir qu'il y a sur la feuille blanche. On peut toujours le faire, et c'est facile à certaines personnes qui cherchent à faire. Je pense qu'on a le devoir de regarder. Je parlais justement, je suis parti voir cet enfant qui est à l'hôpital. Je parlais avec les parents. J'étais juste à côté avec un autre enfant dans la chambre qui a une leucémie, il est là-bas depuis le mois de juin. Et je leur disais aux parents, les non-juifs, puisqu'on a le devoir dans la halakha en parenthèse, que quand on va visiter un malade, quand il y a un non-juif dans la chambre, il faut d'abord visiter le non-juif avant le juif. Allez dans la halakha. Le Shulchan Aruch nous dit ça. Et donc, je parlais avec la maman en disant, ça fait combien de temps, etc. Et je lui ai donné des chocolats, des bonbons à l'enfant non-juif. Je ne suis pas venu pour le voir, je suis venu pour voir, mais peu importe, il est là, on ne peut pas te faire comme s'il n'est pas là. Ne vous inquiétez pas, ça va passer rapidement. Je ne suis pas prophète. Mais je disais, vous savez, qu'on a la chance d'être dans un tel pays, avec une telle médecine. Et aujourd'hui, les choses se passent tellement à merveille. Qui aurait pensé, il y a 5 ans, quelqu'un, il se fait opérer du cancer du côlon, il rentre à l'hôpital la veille, presque en ambulatoire, il ressort le lendemain, deux jours après, il est à la maison, qu'en une semaine, son monde a basculé entre noir et blanc. Il y a une semaine, il est au courant de rien. Le lendemain, il fait partie des examens. Le lendemain, il s'est opéré en urgence. Deux jours après, il est à la maison. Et la semaine d'après, il est déjà chez lui. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Quelqu'un qui est aveugle et qui peut dire, on ne voit pas comment le monde avance vers l'ère messianique.
comment aujourd'hui les gens ne meurent pas parce qu'ils sont affamés comme c'était à 60, 70 ans, 80 ans. Aujourd'hui, les gens, les plus grosses maladies, c'est parce que les gens ils mangent trop. Parce qu'il y a une abondance de manger. Alors oui, effectivement, j'ai mes amis en Ukraine, des shluchim. Ce matin, quelqu'un m'a envoyé des photos qui sont en train d'emmagasiner des tonnes de paquets d'eau parce qu'ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas d'eau. C'est la parenthèse, on va dire. Mais quand on regarde le monde en général, il y a une telle abondance, une telle, je veux dire, approche à la médecine. Il y a une telle aujourd'hui, tellement de bonnes choses autour de nous. Ça, c'est la plus belle période dans laquelle Dieu nous a placés. Et c'est à nous de remarquer ce bien. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a tellement plus de facilité à faire tellement de choses qu'il n'y avait pas il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et plus on avance, mieux c'est. Diffuser la Torah aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qui aurait pensé aujourd'hui que quelqu'un peut être assis chez un inconnu chez soi à la maison et écouter des cours de Torah à l'époque? Il faut écouter un cours, il faut prendre la voiture, il faut se déplacer et venir. Alors qu'aujourd'hui, on est les quatre coins du monde. Il y a des gens qui peuvent apprendre, se renseigner. Que des merveilles. Ça, c'est comment? Ces étincelles des saves qui sont éparpillées partout sont en train de s'éclairer, se ramener, évoluer jusqu'au temps. Ma chère va venir, moi, totalement dévoilée. Mais terminons avec la leçon pour chacun d'entre nous. À l'intérieur de chacun d'entre nous, on a tous ces saves. On a tous ce potentiel. On a tous cette bombe atomique de lumière, de bonheur, de bénédiction, de force positive. Parfois, on ne sait pas comment l'exploiter. Je n'avais pas dit parfois, la majorité des fois, combien de scientifiques montrent qu'une personne normale étudie son cerveau à combien de pourcent? Personne ne parle, tout le monde dort. Hein? 10%. Combien on est capable de faire beaucoup plus? Combien on se sous-estime? Combien on se met des barrières? Sur le rabbin, je ne suis pas religieux, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas Lubavitch. Je suis pas, va savoir. Tellement de catalogues, je sais pas comment on dit ça en français. Catégorisation, comme vous voulez. Combien d'étiquettes on se met pour ne pas faire un pas en avant? Et combien de fois on voit que quand on a franchi le cap et on a fait un pas en avant, on est capable de faire tellement plus? Combien on se sous-estime les forces que chacun d'entre nous nous avons à l'intérieur de nous? La leçon qu'on apprend de notre cher Rivka et de Esav, c'est comment se dire qu'on a tous un potentiel énorme. À nous de l'exploiter, à nous de l'utiliser. Combien parfois on se dit qu'on n'est pas capable. Et malheureusement ou heureusement, c'est la raison pourquoi Dieu envoie des épreuves. Pourquoi Dieu envoie parfois des défis? Ce n'est pas le mot épreuve, juste le mot défi. Parce que grâce aux défis, on peut aller plus loin. Quand on a un mur face à soi, quand on a une barrière, comme je dis à chaque fois dans une course à cheval, on ne veut pas mettre un cheval à une barrière qui est à 10 cm du parterre. On va le mettre à 20 cm, 30 cm. Et dès qu'il a sauté, il a fait un tour, on va le mettre à 30 cm. Qu'est-ce que tu le fais souffrir, le pauvre? Qu'est-ce que tu le fais sauter encore plus haut? S'il n'y a pas la barrière, il ne va pas sauter. Tu as mis notre barrière, il va sauter plus haut. Et plus la barrière elle est haute, plus il va sauter encore plus haut. Et plus il va dévoiler les forces internes qu'il a à l'intérieur de lui. Pareil avec chacun d'entre nous. À nous de se prendre en main, mais de se dire, on pourrait faire tellement plus. On pourrait avancer tellement plus. Ne pas avoir peur de faire ce grand saut en se disant que Dieu a confiance en nous. Dieu nous a donné cette neshama, on est tous une parcelle divine à l'intérieur de nous. À nous de l'exploiter au maximum. Et quand on l'exploite au maximum, Dieu te dit, ouvre-moi comme la porte, je dis, d'un trou d'une aiguille, et moi je t'ouvrirai comme la porte d'un palais. Montre, fais un pas, fais un geste, attrape la corde, fais juste un pas en avant, n'aie pas peur de faire quelque chose de plus. Tu vas voir, tu seras capable de faire beaucoup plus. Le cours en replay sur l'application eTorah, ainsi que le site eTorah.fr. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.